Comment devenir chanteur pro? Peut-être que tu es chanteur débutant, chanteur amateur, tu as envie de t'améliorer, tu as envie d'aller plus loin. On va parler de ça aujourd'hui. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent améliorer leur voix pour bien chanter. Alors, on est toujours dans cette série spéciale de l'été. Tu sais que voilà, j'aime bien te faire un petit peu un résumé thématique de ce qui s'est passé dans l'année. Et là, on va parler tout spécialement de comment devenir chanteur pro. Il y a certaines choses à connaître. La première chose, c'est que il y a des prérequis, d'accord? C'est-à-dire que il y a des choses vraiment à comprendre qui sont différentes du chant amateur. Alors, même si tu ne veux pas devenir chanteur pro en réalité, connaître ces prérequis-là, ben, ça va t'aider à t'améliorer en tant que chanteur amateur. Alors, surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu as des amis justement qui veulent devenir chanteur pro ou qui veulent s'améliorer. Et je te propose qu'on regarde tout de suite ensemble l'extrait dans lequel je t'explique quels sont les prérequis à connaître pour devenir chanteur pro. Chanter, voilà, on se fait plaisir, c'est la passion et à un moment peut-être qu'on a envie de passer pro. Alors, passer pro, ça veut dire quoi? Un chanteur pro, ça dépend dans quel sens on définit le terme. Un chanteur pro, par définition, c'est un chanteur qui est payé pour chanter, pour ses concerts et qui potentiellement peut vivre de ses concerts. Maintenant, n'attends pas en fait d'arriver à ce stade avant de devenir un chanteur pro parce que en fait, en réalité, tu peux très bien travailler la journée et le soir être un chanteur pro. D'ailleurs, il y a plusieurs artistes qui font ça, des artistes français qui travaillent parce que par choix, ils ont choisi de garder leur travail en fait pour maintenir un quotidien et qui chantent en pro le soir. Donc, on peut tout à fait combiner les deux. Maintenant, la question, ça va être de comment on fait pour devenir chanteur pro. Alors, moi, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, je ne vais pas t'expliquer le plan de carrière, ça serait trop long pour devenir chanteur pro. En plus, il y a plusieurs possibilités. Mais moi, ce que je voudrais t'inviter à faire, c'est à te comporter dès aujourd'hui comme un chanteur pro. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chanteur pro, par exemple, il va travailler son art très régulièrement, d'accord? C'est-à-dire qu'un chanteur pro ne peut pas se permettre de rien faire pendant 3 mois et puis tiens, le jour où il a un concert, il va se mettre à bosser et puis ah ben tiens, on va découvrir que sa voix, elle sort plus. Non, pas du tout. Un chanteur pro, il va entretenir son art très régulièrement. Donc, tu peux déjà commencer à t'y mettre, tu peux commencer à bosser ta musique tous les jours. Alors, ça peut être très varié. Tu peux travailler ta voix, travailler ta technique vocale, ça c'est une chose, mais tu peux aussi travailler ton répertoire. Se constituer un répertoire, c'est du boulot, choisir les bons morceaux, les morceaux les plus adaptés, les morceaux qui nous vont bien, les morceaux qui vont mettre en valeur ta voix. Ça, c'est important, le choix du répertoire. Ça va être aussi travailler les chansons en elles-mêmes, donc ça veut dire connaître ses paroles. Je vois tellement d'artistes, de chanteuses, de chanteurs qui, voilà, ils chantent, puis je leur dis, tiens, chante-moi une chanson. Ah ben non, je ne peux pas parce que je n'ai pas mes paroles. C'est dommage, si tu es chanteur pro, il faut que tu connaisses tes chansons par cœur. Alors évidemment, tu n'es pas obligé de toutes les retenir, mais quand même, il faut que tu aies un bon petit répertoire. Pareil au niveau des mélodies, tu vas travailler ça. Ensuite, chanteur pro, tu vas aussi réfléchir un petit peu plus loin, c'est-à-dire quel est ton projet? Est-ce que tu veux enregistrer? Est-ce que tu veux monter un groupe avec des musiciens? Donc ça va vraiment être des projets qui vont te prendre beaucoup de temps et c'est pour ça que c'est important de ne pas se disperser. Tu l'as certainement remarqué, les chanteurs pro, quand ils partent en tournée, ils n'enregistrent pas d'album et ils attendent de rentrer de tournée pour sortir un nouvel album, par exemple. Pourquoi? Bah parce que c'est très compliqué de faire les deux. On ne peut pas se concentrer sur la tournée, voyager beaucoup et en même temps être au calme, composer de nouvelles chansons ou enregistrer tout simplement. Donc, il faut vraiment que tu choisisses. Donc, par exemple, pour cette année, quel objectif tu te fixes? Est-ce que tu souhaites faire des concerts? Et à ce moment-là, bah, va falloir que tu t'organises en fonction de la forme de concert que tu vas vouloir donner. Est-ce que tu veux le faire avec des musiciens? Est-ce que tu veux chanter avec des bandes? Est-ce que c'est plutôt de l'animation? Est-ce que c'est plutôt dans un style particulier? Est-ce que c'est de la reprise? Est-ce que c'est de la compo? Tu vois, il y a énormément de questions à se poser et il faut vraiment que toi, tu identifies les réponses à toutes ces questions. Ça va vraiment te permettre de partir dans une direction. Est-ce que tu veux enregistrer un album? Si oui, est-ce que peut-être tu vas devoir trouver des auteurs, des compositeurs qui vont écrire pour toi? Ou bien est-ce que toi-même, tu as envie de te former à l'écriture pour écrire tes propres chansons? Et quand tu vas faire ça, bah, tu ne pourras pas être en tournée non plus à faire des concerts dans les bars. Donc toi, c'est très important
de pas se disperser et de vraiment partir dans une direction parce que les choses prennent du temps et c'est vraiment la répétition et le fait d'aller toujours dans la même direction qui va te permettre d'avancer. Sinon, tu vas être juste en dispersion un petit peu partout. Alors, ce que font aussi les chanteurs pros quand ils travaillent leur art, c'est qu'en général, ils s'entourent bien d'une bonne équipe. Donc, ça peut être des amis, ça peut être des profs, des enseignants, des coachs. Mais les chanteurs pros, moi avec qui je travaille, eh bien, travaillent leur voix, c'est-à-dire qu'ils viennent me demander conseil pour savoir comment maintenir leur voix en forme et comment travailler leur voix. Donc, je t'invite aussi à te renseigner, voir si près de chez toi, il y a quelqu'un qui pourrait t'accompagner, peut-être un prof de musique pour démarrer ou un coach vocal, un prof de technique vocale. Tu peux aussi accéder aux cours en ligne. Voilà, il y a déjà plein de vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube. Il y a aussi des cours en ligne payants si tu souhaites aller plus loin. Donc, tu as vraiment énormément de possibilités. Voilà, alors tu as compris qu'il y a des choses à savoir. Tu vois, c'est assez simple, mais voilà, une fois qu'on te les a expliquées, c'est facile à comprendre. Bien souvent, tu sais, les professionnels aiment bien garder leurs petits secrets. Alors que voilà, c'est pas compliqué. Tu vois, là, je t'ai expliqué les choses dans cet extrait et je pense que tu les as comprises. Alors, maintenant, peut-être que tu vas me dire, oui, mais Antoine, moi, je suis vraiment en galère, je débute, j'ai pas d'argent, je peux pas investir dans trop de matériel, je peux pas investir, je sais pas, dans de la promo, de la publicité, comment on fait? Eh bien, ça tombe bien. Dans l'extrait suivant, je vais t'expliquer comment avancer dans la musique, comment avancer dans tes projets, spécialement si tu n'as pas d'argent. On regarde ça tout de suite ensemble. Alors, si clairement tu attends tout seul dans ton coin qu'un producteur vienne te chercher, ça va absolument pas marcher, d'accord ? Ça va pas marcher, c'est mort. Aujourd'hui, les producteurs ne vont pas aller te chercher chez toi. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, la première chose déjà, c'est que arrête d'attendre dans ton coin, ça ne sert à rien. Deuxième chose, il faut absolument, si tu veux devenir un artiste, eh bien que tu te conduises comme un artiste. Donc, un artiste, qu'est-ce qu'il fait? Un artiste, il travaille son art, d'accord? Si tu es danseur, tu vas t'entraîner à danser. Si tu es chanteur, tu vas t'entraîner à chanter. Si tu écris, tu vas t'entraîner à écrire, d'accord? Il faut que tu fasses tous les jours, t'entraîner. Parce que imagine le jour où tu te retrouves sur une scène, où on te propose quelque chose, si tu n'es pas prêt, tu vas laisser passer ta chance. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, travaille ton art. Ça, c'est vraiment un point très important. Travaille ton art. Et je le redis une troisième fois, travaille ton art. Ça serait vraiment dommage que tu passes à côté d'une occasion juste parce que tu n'es pas prêt. Et tu vois, imagine, tu es dans une discussion et quelqu'un est influent, par exemple, dans le milieu et dit « Ah tiens, ah ouais, tu es un artiste et tout. Bah, tu sais quoi, là, je fais une émission, je t'invite, tu viens ?» Et là, toi, tu n'es pas prêt. Tu dis « Ouais, mais là, toi, mes chansons, elles sont pas encore prêtes et tout. » Ben, tu crois, le gars, c'est mort, tu vois. Je veux dire, le gars, il va pas te rappeler dans 3 mois, il va pas penser à toi. Là, ça se fait juste parce que tu es à côté de lui. Imagine, tu es dans un train, tu es à côté de… Il y a un artiste comme ça, je crois que c'était Garou. Je crois que c'était Garou, il était dans le train à côté d'une personne qui écrivait des chansons. Et il était en train justement de réfléchir une nouvelle chanson de son album. La personne, elle travaillait sur des chansons, elle lui a proposé quelque chose, ça lui a énormément plu. Il a dit « Ok, tu sais quoi, ta chanson, je vais l'enregistrer. » Mais ça s'est fait comme ça, tu vois. C'est pas « Oui, je vais envoyer un mail, un coup de téléphone, je vais envoyer un CV, je sais pas quoi. » Ça marche pas comme ça, d'accord. Les choses, elles se font, tac, sur la rencontre, à l'intuition. Donc, à ce moment-là, quand ta chance, elle va se présenter à toi, il faudra absolument que tu sois prêt. Donc, si je résume déjà ce qu'on a dit jusqu'ici, il faut absolument que tu te comportes comme un artiste. Ça veut dire qu'il faut que tu travailles ton art et ça, il faut que tu le fasses tous les jours pour être prêt au bon moment. Maintenant, aujourd'hui, comment est-ce que les maisons de disques ou les labels recrutent? Eh bien, en fait, ils ne font plus tellement de casting parce qu'ils ont une sorte de casting permanent qui s'appelle les réseaux sociaux. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et clairement, voilà, moi je connais des chanteurs que j'ai accompagnés, des jeunes qui ont par exemple leur compte Instagram, eh bien, il y a des recruteurs pour les labels qui les contactent en disant « Hey, on a vu ce que tu fais sur Insta, c'est sympa, il faudrait qu'on se parle, tu vois, il faudrait qu'on parle avec tes parents si tu es mineur. » Donc ça, c'est très important. Maintenant, ce qui est assez merveilleux là-dedans, c'est que tu n'as pas besoin d'argent. C'est-à-dire que là, si tu me regardes, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as probablement un téléphone, un smartphone, d'accord ? Ou un ordinateur, peu importe, ou une tablette. Mais
Si tu as déjà ça, tu as déjà tout. Tu as tout ce qu'il te faut, d'accord? Parce qu'avec ton smartphone, tu vas pouvoir te filmer, tu vas pouvoir t'enregistrer, tu vas pouvoir publier ça sur ton compte Insta, sur YouTube. Tu peux ouvrir une chaîne YouTube. Moi, je t'invite à ouvrir une chaîne YouTube. Tu vois, grâce à ma chaîne YouTube, aujourd'hui, je suis invité là, dans les studios de YouTube. Tu vois, toi aussi, tu pourrais être ici à ma place. Et ça, c'est gratuit, d'accord? Alors, ce qu'il va falloir faire, il y a quand même une dernière chose qu'il va falloir faire, les amis. Juste avant, si tu as des potes qui sont là-dedans, si tu as des amis, des collègues de travail qui te disent à chaque fois, ah, je voudrais devenir un artiste, partage-leur cette vidéo parce que ça va les aider. Toi, s'ils te disent à chaque fois, oui, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, on n'a pas besoin d'argent pour ça. Il te faut quoi? Un peu d'électricité pour recharger ton téléphone et une connexion Internet. Même si tu n'as pas Internet chez toi, tu peux aller dans un café pour poster tes contenus. Donc, le dernier conseil que je voudrais te donner par rapport à ça, c'est de justement créer du contenu, créer tes chansons, enregistrer tes chansons. Aujourd'hui, il y a des applications comme Smule par exemple, que tu connais peut-être, où tu peux t'enregistrer, te filmer quand tu chantes des chansons connues. Eh bien, aujourd'hui, si tu n'as pas un auteur, un compositeur, si tu ne sais pas écrire tes chansons, que tu chantes les chansons des autres, fais des vidéos sur Smule, enregistre-toi, entraîne-toi. Après, si tu peux, si tu sais t'accompagner ou si tu as un ami qui fait de la guitare ou du piano, je ne sais quoi, filmez-vous, faites des vidéos et publiez-les, publiez-les. Mais une erreur que je vois très souvent, et un jeune artiste qui avait fait une vidéo, deux vidéos, il me dit, ah, ça marche pas, Antoine, j'abandonne, ça marche pas. Je dis, ok, t'as publié combien de vidéos? Il a fait deux vidéos. Je dis, est-ce que ça a marché? Ah ouais, j'ai eu pas mal de likes et tout. Ok. Et alors? Qu'est-ce que tu attends pour faire les autres vidéos? Les amis, il faut faire des autres vidéos. Je prends un artiste comme Prince, par exemple. Prince, il avait même plus de maison de disques parce qu'il sortait tellement de chansons que les maisons de disques, elles n'arrivaient plus à suivre. Donc, lui, il a dit, ok, moi, je ne vais même plus travailler qu'une maison de disques. Je suis mon propre producteur, ma propre maison de disques. Et comme ça, je peux sortir autant de chansons que je veux. Donc, moi, je t'invite à faire ça. Je suis sûr que chez toi, tu chantes tous les jours. Donc, toutes les semaines, tu devrais te filmer, enregistrer une nouvelle chanson et la publier. Et on s'en fout si tu n'es pas en studio. On s'en fout si tu n'as pas le matériel professionnel parce que peut-être que tu n'es pas prêt encore si tu es au démarrage, tu vois. Donc, ces premières vidéos, ces premiers enregistrements, ils vont tout simplement en fait t'aider à t'améliorer. Parce qu'à force d'en faire, tu vas t'améliorer. À force de travailler ton art, tu vas t'améliorer. Et le jour où quelqu'un te contacte sur Instagram et te dit, tiens, tu voudrais pas venir dans une émission, tu voudrais pas venir à ma radio, ben, tu seras prêt. Parce que si tu ne fais rien, et imagine, on t'invite comme ça à une radio, et toi, c'est la première fois que tu te filmes, la première fois qu'on t'enregistre, tu vas avoir peur, parce que tu n'auras pas l'habitude, tu ne l'auras jamais fait. Alors que si tu as déjà enregistré 50 chansons, tu as déjà fait 50 vidéos, tu as fait 50 enregistrements, à la radio, il va dire, vas-y, on enregistre. Je veux dire, tu n'auras pas peur, tu vois, je veux dire, pour toi, voilà, ce sera la routine, entre guillemets. Alors, ce n'est pas la routine dans le sens péjoratif, tu vois ce que je veux dire? La routine dans le sens où tu as l'habitude de le faire. Donc, vraiment, je t'invite à appliquer ces conseils. Donc, si je résume, comporte-toi comme un artiste, d'accord? Ça, c'est une première chose. Fais ce que les artistes font. Ils s'entraînent, ils répètent, ils prennent des conseils, ils étudient. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de vraiment travailler ton art. Donc voilà, ça, il faut t'entraîner pour que tu progresses et tout le monde progresse, on progresse toujours, moi aussi, je continue à progresser, tout le monde continue à progresser. Donc travaille ton art, comme ça, tu seras comment dire, de plus en plus apte à vraiment faire une belle performance le jour où tu seras sur un plateau ou dans un studio d'enregistrement. Et la troisième chose, eh bien, c'est de créer du contenu. Moi, je vois tellement des groupes de musique. Ils sont dans leur local, ils disent oui, mais ça marche pas, oui, mais nous on attend pour enregistrer l'album. Mais vous attendez quoi, les amis? Vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui vienne là dans votre rue, dans votre cave, ils disent hey, on a vraiment trop envie de travailler avec vous. Ça n'existe pas, les amis, d'accord? Donc prenez-vous en main, les amis, prenez vos smartphones, filmez, publiez des vidéos, créez votre chaîne YouTube, allez-y, publiez du contenu et les gens vont commencer à vous écouter, à vous apprécier, à vous envoyer des messages, vous allez vous constituer comme ça une base de fans. Et vous allez pouvoir percer comme ça, les amis.
Voilà, tu as compris que en 2020, je ne sais pas quand tu regarderas cette vidéo, mais elle est tournée en 2020. En 2020, on n'a plus besoin d'avoir énormément d'argent pour pouvoir avancer, percer dans la musique. Et il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que je vois beaucoup, moi, des chanteuses, des chanteurs avec qui je discute, qui me disent: Ah, Antoine, moi j'aimerais chanter un tube, j'aimerais être connu. Et je dis: Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi être connu? À quoi ça correspond? Et il y a encore beaucoup de chanteuses et de chanteurs qui me disent: Ben moi, j'aime, voilà, si je passe à la radio, ça voudrait dire que je serais connu. Alors, il faut bien que tu comprennes quelque chose, c'est que probablement que tu ne passeras jamais à la radio. Mais ce n'est pas pour ça que tu ne pourras pas percer dans le milieu de la musique. Et c'est vraiment important, si tu veux, que tu te défasses de cette idée de vouloir absolument passer à la radio, parce qu'en fait, ça va monopoliser ton esprit, ça va te faire faire des erreurs juste pour essayer de passer à la radio, alors qu'en réalité, on s'en moque complètement. Et je t'explique ça tout de suite dans ce nouvel extrait de pourquoi tu ne passeras jamais à la radio et pourquoi c'est une très bonne chose pour ta carrière. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il faut que tu comprennes comment fonctionnent les radios. Les radios, leur revenu, elles les tirent de la publicité, d'accord? C'est-à-dire que elles vont demander à des marques, je vais pas citer les marques, mais elles vont demander aux marques de leur donner de l'argent, de les payer pour passer de la publicité. Donc, plus il va y avoir de gens qui écoutent les radios, plus elles vont pouvoir demander cher aux marques pour faire de la publicité. Tu comprends? Parce qu'elles vont dire aux marques: tu vois, moi sur ma radio, j'ai 200 000 personnes qui écoutent à 8 h le matin. Donc si tu veux que je te passe ta pub à 8 h le matin, il faut que tu me payes tant. Tu vois le système. Donc les radios, elles, leur but, c'est plus forcément, je dis pas ça pour toutes les radios, d'accord, mais c'est plus forcément de développer des artistes ou de les aider. Ça va être vraiment le but, voilà, c'est de générer un maximum d'audience pour récupérer de l'argent issu des publicités. C'est comme ça que fonctionnent les radios. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, les radios, il faut qu'elles fassent plaisir aussi un petit peu à tout le monde. Elles ont des formats, elles disent: voilà, nous, c'est tel âge, c'est tel type de personne. Parce que ce qui se passe, c'est que tu ne vas pas faire la même publicité en fonction de ceux qui écoutent. Imagine, par exemple, je te fais une publicité pour les maisons de retraite sur Skyrock, par exemple. Eh bien, Skyrock, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent Skyrock. À quoi ça sert de faire une publicité pour les maisons de retraite? Toi, c'est pas trop, voilà. Maintenant, si je suis une radio où je sais que je passe de la musique assez ancienne, de la musique que vont plutôt écouter les papys et les mamies, eh bien là, je peux peut-être faire de la publicité, tu vois, pour des maisons de retraite, par exemple. Toi, bon, c'est un exemple, mais tu comprends ce que je veux dire. Maintenant, imagine, je ne sais pas, on fait de la publicité pour un concert. Non, pas pour un concert, mais on fait de la publicité, par exemple, pour un produit jeune, je ne sais pas, une boisson, par exemple, que les jeunes aiment bien, une nouvelle boisson. Eh bien, on va plutôt chercher à faire cette publicité sur une radio qui passe de la musique pour les jeunes. Donc, tu vois que du coup, les radios, elles vont déjà bien sélectionner le type de musique qu'elles vont passer, parce qu'elles font vraiment très attention à comment elles vont pouvoir monétiser la vente de leur espace publicitaire. Donc, le truc, c'est que les radios, comme ça, elles fixent des règles. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont fixer des règles, et ces règles-là, elles vont les imposer, entre guillemets, aux maisons de disques. C'est-à-dire qu'elles vont dire: voilà, cet été, il nous faut un tube de l'été. Tous les ans, tu sais, il faut un tube de l'été. Donc, elles vont dire: voilà, nous, cet été, il nous faut un tube de l'été, alors il nous en faudrait deux ou trois, ça serait bien. Donc, il en faudrait un avec une chanteuse, il en faudrait un avec un chanteur, comme ça il y a les hommes, il y a les femmes, tu vois, ça c'est bon pour tout le monde. Ok, ça serait bien peut-être que cette année on va faire quelque chose de latino, tu vois, et peut-être cette année, je sais pas, on va faire un slow. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elles vont dire aux maisons de disques: voilà, moi il me faut une musique très rythmée, très rapide, et il m'en faut une autre très lente, très love song, etc. Tu vois? Et après, elles vont dire aussi, par contre, la musique, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Ouais, parce que le problème, c'est que si tu veux, ils passent un peu toujours les mêmes musiques, il faut qu'ils puissent changer rapidement, donc il faut que la musique, elle dure 2 minutes 30, 3 minutes maximum, tu vois.
Donc, ce qui veut dire que dans ta chanson, imagine toi, tu as beaucoup d'idées sur ta chanson et tu veux faire plein de couplets, ben non, non, ça va pas coller quoi, parce que là on va te dire non, non, ta chanson est trop longue, faut la couper, du coup, toi ton histoire elle va être cassée, c'est pas toi, c'est pas génial artistiquement, c'est pas vraiment génial, toi, c'est pour ça que je dis que c'est pas du tout un problème. Que ta chanson elle passe pas en radio parce que il y a plein d'autres moyens beaucoup plus puissants aujourd'hui de diffuser, de faire connaître tes musiques. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, hein. Il y a tous les réseaux sociaux, c'est magique maintenant et c'est gratuit. Tu peux partager tes chansons très librement et elles vont être écoutées par énormément de personnes et qui vont t'apprécier. Et toi, tu vas rester libre parce que imagine par exemple, tu veux faire un solo. Imagine par exemple, tu aimes la musique rock. Et tu veux faire un solo de guitare au milieu de ton morceau. Eh bien, pour une radio, c'est impossible. Aujourd'hui, ce n'est plus la mode. Il faut que ça chante, il faut que ça chante, il faut que ça chante. On ne va pas laisser 10 secondes où c'est juste le guitariste qui fait un solo. Tu vois, ça, la radio, elle n'accepte plus ça. Donc aujourd'hui, la radio, elle fixe un peu la loi avec les maisons de disques. Et du coup, ils imposent aux artistes, entre guillemets, de dire, voilà, il faut que tu aies une chanson rapide, une chanson lente, une chanson en français, une chanson en anglais. Enfin, je veux dire, toi, t'es plus libre de créer ce que tu veux. Donc, toi, imagine, tu veux être innovant, tu veux faire créer quelque chose de nouveau. Eh bien, pour la radio, ça va pas marcher, tu vois, parce que ça va pas correspondre à ces critères. Alors, évidemment, ce que je te dis là, si des gens radio, je sais pas, ou des médias écoutent ma vidéo ou la regardent, ils vont, tu vois, ils vont faire comme les haters, ils vont faire Antoine, c'est pas vrai, c'est des mensonges, etc. Moi, ce que je te dis, si tu veux, ce sont des producteurs qui me l'ont expliqué. Ça fonctionne comme ça, mais ils pourront jamais l'avouer parce qu'ils pourront pas dire, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu compliqué, quoi. Maintenant, ce qui se passe, c'est que voilà. Toi, tu as une chance aujourd'hui de pouvoir profiter des réseaux sociaux. Tu peux créer ta chaîne YouTube, tu vois, comme j'ai fait. J'ai créé une chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est ce qui me vaut, voilà, de pouvoir disposer ici des studios de YouTube. On est dans des très bonnes conditions de tournage. Eh bien, toi, tu pourrais être à ma place. Tu vois, tu crées ta chaîne YouTube et peut-être dans quelques mois, dans quelques années, tu pourras être ici à ma place. Et donc, c'est très important, si tu veux, que tu t'enlèves cette idée de penser que il faut absolument que tu aies une maison de disques ou que tu passes à la radio. Que voilà, c'est absolument pas grave si ta chanson ne passe pas à la radio. Ça veut dire que tu vas pouvoir rester libre dans ta création. Et si à un moment une chanson elle te plaît plus, tu peux l'enlever d'internet et t'en mets une autre, alors qu'à la radio, ils vont te la passer, ils vont te la passer, ils vont la passer. Tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, par rapport aux droits d'auteur, il y a des protections. Voilà, les réseaux sociaux maintenant, il y a des conventions qui ont été signées avec les sociétés de gestion des droits d'auteur. Et donc, voilà, tu es en sécurité, il n'y a pas de souci, tu vas toucher comment dire, des droits d'auteur. Tout ça maintenant est clarifié. Donc, il n'y a plus de raison aujourd'hui de te dire que voilà, tu veux absolument passer en radio et que ça ne va pas marcher avec Internet. Non, non, tu as vraiment cette possibilité de le faire. Alors, je pense que tu as compris maintenant que c'est voilà, absolument pas nécessaire de passer à la radio si tu veux percer. Mais justement, tu vas me dire, oui, mais Antoine, toi, tu es bien gentil. Tu m'as expliqué comment je pouvais faire quand j'ai pas d'argent. Tu m'as expliqué que ça ne sert à rien de passer à la radio. Mais alors, du coup, comment je fais pour percer? C'est quoi le plan? Eh bien, je te propose qu'on voit ça tout de suite dans ce dernier extrait pour que tu comprennes comment tu peux t'y prendre pour avancer dans ta carrière musicale. C'est parti! Alors, comment faire pour percer? Les amis, qu'est-ce que ça veut dire percer? Parce que il faut déjà qu'on parle de ça. Est-ce que ça veut dire que tu veux être connu? Est-ce que ça veut dire que tu veux gagner beaucoup d'argent? Est-ce que ça veut dire que tu veux chanter dans des stades? Est-ce que ça veut dire que tu as des fans, qu'il y a des gens qui viennent à tes concerts? Pour moi, percer, en quelque sorte, c'est pas forcément passer à la radio, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement un artiste, il n'a plus forcément tellement besoin des radios, à mon avis, puisqu'on a Internet qui est magique, on a les réseaux sociaux qui permettent de se faire connaître. Et finalement, pour moi, le plus important pour toi, ça va être de te faire connaître, de manière à ce que quand tu vas pouvoir organiser des concerts, il y a des gens qui vont venir à tes concerts et tu ne vas pas chanter tout seul. Quand tu vas sortir tes instrus ou quand tu vas sortir tes chansons, eh bien, il y a des gens qui vont les télécharger. Et je dirais, là, on va dire que bah, tu vas commencer à percer dans ce cas-là. Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment tu peux faire. La première chose, c'est qu'il faut absolument que les gens puissent découvrir ce que tu fais.
Donc, ça veut dire que il faut que tu fasses des choses, d'accord? Il faut que tu enregistres. Alors, je vois beaucoup de gens, et pendant 10 ans, ils attendent, ils attendent. Moi, j'ai fait ça au départ, j'ai trop attendu avant d'enregistrer. Il faut, voilà, si tu as une idée, tu as écrit une chanson, tu la protèges, tout ça, tac, tu l'enregistres, tu filmes, tu la proposes. Il y a certainement des gens, des amis par exemple, qui vont partager ce contenu-là. Et du coup, il y a des amis qui vont bien aimer tes chansons. Forcément, c'est obligatoire, d'accord? On ne veut pas que toute la terre aime tes chansons, mais il y a quelques personnes qui vont les aimer. Et ces personnes-là, si elles les aiment, toi, quand tu vois un post par exemple, ou quand tu vois une vidéo sur YouTube, qu'est-ce que tu fais? Tu la partages, parce que tu aimes bien, donc tu la partages. Eh bien, les gens vont faire la même chose avec tes chansons. Ils vont les partager. Et puis, ensuite, il y a peut-être des gens qui vont s'abonner, du coup, à ta page, à ta chaîne YouTube, à ton compte Insta. Et du coup, quand tu vas republier une nouvelle chanson, ils vont être au courant. Peut-être qu'ils vont l'aimer encore plus. Du coup, ils vont la partager encore plus. Ou alors peut-être qu'ils vont l'aimer moyen, mais c'est pas grave, ils vont attendre la chanson d'après. Et ainsi de suite. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas voir qu'au fil du temps, les gens ils vont commencer à connaître tes chansons. Ce qui fait que si jamais, par exemple, tu sors un enregistrement que tu mets à disposition sur les plateformes, par exemple, de streaming, ils vont aller l'écouter en streaming, tu vois. Si par exemple tu fais des enregistrements et que tu annonces la sortie d'un album, eh bien les gens, comme ils connaîtront déjà ton univers, ils connaîtront déjà les chansons, ils auront envie d'avoir ton album, tu vois, d'avoir les musiques, les vraies musiques enregistrées en studio pour de vrai. Mais pourquoi? Parce qu'ils auront commencé à connaître ton univers grâce à ce que tu auras publié avant, même si ce sont des brouillons, même si ce n'est pas de la super qualité, tu vois, parce que déjà ils vont comprendre ton univers, ils vont comprendre de quoi tu parles, ils vont commencer à apprécier tes mélodies, tes textes, etc. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir organiser des concerts. Alors, les concerts, ça c'est très très fort parce que quand les gens viennent à un concert, tu vois, tu peux vraiment partager avec eux, tu peux échanger avec eux. C'est complètement différent que si tu es sur un écran. Tu vois, sur un écran, on est quand même assez loin. Là, tu me regardes, mais tu es dans ton salon, dans un bus, je ne sais pas où. Tiens, bah, dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Et du coup, on a quand même à distance. Alors que si on était là dans le studio et que, tu vois, je chantais ou quoi, que je te faisais de la musique. Là, on serait beaucoup plus connecté, on serait beaucoup plus proche. C'est ça qui est magique dans les concerts. Donc, tu ne vas pas faire des grands concerts au début, tu vas faire des concerts avec peut-être 30, 40 personnes. Mais ces gens-là, comment ils vont savoir que tu fais des concerts? Eh bien, parce que tu vas publier sur les réseaux. Tu vas faire une story sur Instagram, tu feras un post sur YouTube, tu annonceras ton concert. Et du coup, les gens qui ont déjà commencé à t'aimer, à t'apprécier, parce qu'ils ont déjà entendu ce que tu faisais, tes musiques, ils vont se dire, ah ouais, tiens, ça serait sympa que j'aille l'écouter au concert. Quand ils vont venir au concert, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de filmer aussi. Toi, ça serait cool. Tu vas filmer un peu des images de concert et tu vas pouvoir les partager à nouveau sur les réseaux. Ce qui va se passer, c'est qu'après ce concert, toi, du coup, ça va te faire des nouvelles images que tu vas pouvoir partager sur les différents réseaux. Mais les gens qui étaient là au concert et qui ont passé un bon moment avec toi, ils ont envie de dire à leurs amis qu'ils ont passé un bon moment. Donc pendant le concert, ils vont faire des photos, ils vont faire des stories, ils vont faire des petites vidéos qu'ils vont publier sur les réseaux. Et leurs amis à eux, du coup, ils vont voir ces musiques-là. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à te connaître aussi. Et puis toi, tu vas pouvoir aussi publier tes vidéos et tes images de concert. Et du coup, eh bien, les gens qui étaient là au concert, comme ils étaient contents d'être là au concert, ils vont repartager tes vidéos à toi. Ils auront envie que tu fasses des nouveaux concerts. Ils vont rester à l'affût si tu sors des nouvelles chansons. Par exemple, il y a des chansons, si tu chantes des nouvelles chansons en concert, mais que tu n'as encore pas fait d'enregistrement, ben, les gens ils vont avoir envie d'avoir l'enregistrement, tu vois. Donc après, si tu republies ces musiques derrière sous forme d'enregistrement, ben, les gens ils vont encore y accéder, ils vont les repartager, etc. Ce qui est important là-dedans, c'est vraiment, tu vois, que tu restes bien connecté avec les gens qui te suivent, que tu sois généreux avec eux, je dirais, que tu leur donnes des choses, tu vois. Donc, tu leur partages tes musiques, tu leur partages tes textes, ton univers, tes répétitions, parce que les gens, ils ont envie de savoir qui tu es, tu vois. Tu n'es pas un robot, tu es un humain. Et ce qui est très bien, c'est que tu sais, des fois dans les maisons de disques, on fabrique un peu les groupes. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Voilà, par exemple, les groupes de boys band.
ou girls band, c'était des groupes qui étaient fabriqués, c'est-à-dire que les maisons de disques, elles faisaient des castings, elles prenaient une fille, une grande, une petite, une d'origine asiatique, une black, des voix aiguës, des voix graves, tac. On dit ok, on va faire le casting, tac, tac, tac. Et après, ils disent c'est un groupe. Toi, mais c'est un faux groupe. Toi, c'est un petit peu, si tu veux, comme dans la K-pop également, c'est rare que ce soit des amis qui aient formé leur groupe. Souvent dans la K-pop, c'est les agences de K-pop qui recrutent des chanteurs pour former un groupe. Et à cette différence, toi, si tu veux, ce que tu vas proposer, ça va être 100% authentique. Ce que tu vas proposer, ça va être vraiment… c'est pas du fake, toi, je veux dire, c'est toi, tu fais tes répètes, tac, tu fais une petite story en répétition, c'est pour du vrai. Toi, les gens, ils voient que tu travailles. Et donc, du coup, quand ils t'ont vu peut-être en train de travailler sur une nouvelle chanson, quand ils vont venir t'écouter au concert, ça va leur plaire, tu vois. Et du coup, ils reviendront. Et si tu vas te déplacer dans une autre ville un petit peu plus loin, comme tu vas devenir de plus en plus connu sur les réseaux, eh bien, les gens vont venir aussi au concert, etc., etc., et ainsi de suite. Et ce qui risque de se passer, c'est que si un jour, tu as beaucoup de personnes qui te suivent sur les réseaux, là, ce sont les maisons de disques qui vont t'appeler en disant « S'il te plaît, on aimerait bien travailler avec toi, parce que voilà, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui te suit, tu as une forte communauté. » Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, les choses vont s'inverser. Au lieu de te positionner comme un artiste, de dire « Hey, s'il vous plaît, les maisons de disques, aidez-moi », tu vas faire ton chemin tout seul. Et après, il y en a qui, des maisons de disques qui vont venir vers toi et dire « Hey, ça serait bien qu'on travaille ensemble ». Après, c'est toi qui choisis. Toi, si tu veux continuer à travailler tout seul ou à travailler avec les maisons de disques, il y a aussi des avantages à travailler avec les maisons de disques parce qu'ils ont des, voilà, des moyens de communication, des moyens de production. Mais tu peux aussi tout à fait continuer ton chemin chez, tout seul. Il y a beaucoup d'artistes qui le font et qui continuent à gérer leur carrière tout seul. Alors, ils s'entourent évidemment. Hein. Ils vont trouver un manager, ils vont trouver un coach, ils vont trouver voilà, un directeur artistique. Ils sont, quand je dis tout seul, ce n'est pas tout seul, mais je veux dire, ils sont leur propre patron entre guillemets. Tu vois, ils ne sont pas sous contrat avec une maison de disques. Voilà, on en arrive à la fin de cette série spéciale « Comment devenir chanteur pro ». J'espère que tout ça va pouvoir t'aider. Alors là, cette vidéo sort, on est au mois d'août, c'est les vacances, c'est l'été. Peut-être que justement, tu as plus de temps pour travailler. Ce que j'ai fait, c'est que je t'ai préparé un package pour justement bien préparer ta voix parce que c'est quelque chose qui va être très important au-delà des chansons, de la carrière, etc. Ben, pour être chanteur pro. Alors, ce que je te propose, c'est de te l'offrir. C'est l'été, tu vas pouvoir recevoir si tu le souhaites. Donc, une vocalise, un échauffement que je donne justement aux chanteurs pro pour se préparer avant de monter sur scène. Tu vas pouvoir aussi télécharger mon guide sur la respiration. Je vais t'envoyer aussi une conférence que j'ai donnée sur les cordes vocales et sur comment bien faire résonner sa voix. Tout autant de choses qui vont vraiment t'aider pour améliorer ta façon de chanter. Alors, si tu souhaites les recevoir, c'est tout simple, c'est gratuit, c'est offert cet été. Clique dans le lien qui est juste en dessous dans la description. Tu laisses simplement ton prénom, ton adresse mail et tu recevras tout ça d'ici quelques minutes. Je te remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la partager à tes amis si tu penses que ça peut les intéresser. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission. Prends bien soin de ta voix. Ciao !